On va démarrer l'enregistrement et c'est parti pour la deuxième partie du live du samedi avec du Factorio. Togolo, 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 togolo. Allez, continuez. Alors. Il était pas. On n'avait pas réussi à l'effacer ce truc là. Pourquoi il est revenu? Il prend trop de place ce truc. Il prend trop de place. Alors, oui, on avait un problème avec la production. Enfin, problème. Il fallait que je réorganise le stockage des produits liquides. Ah oui, donc pour ça, j'étais parti en bas. En me disant, je vais les faire ici. Par contre, les pompes. Ah oui, il fallait des éléments de moteur. On va s'en faire deux. Parce que je voulais faire une voie de déchargement, une voie de chargement. Comme pour dans le même principe que les autres, dans le même principe que les autres, sauf que là, donc je les place comme ça, hein. C'est pour voir la distance. La distance à laquelle il va falloir que je les mette les deux voies. Donc j'ai ma... Hop. Et je mets une pompe dans l'autre sens. Alors attends, ça va pas ça. Voilà. Donc là, on charge. Là, on décharge. Et là, on charge. Donc là, logiquement. Et ouais, toujours ce problème de. Mais on peut régler le problème avec un petit tuyau. Et on peut mettre deux cuves à chaque fois. Alors le pétrole, ça marche déjà un peu comme ça. Ah non, il est plus déchargé le pétrole. Ah non, le pétrole brut, il est amené directement. Attends que je me souvienne. Ah, ils sont encore bouchés. Ah non, c'est en dessous. Ah oui. J'ai pas séparé le... Ah, comment ça se fait que lui il est bloqué là?
Ouais, le canton, il est interminable. Il va jusque là. Alors pourquoi il va pas là? Ah, parce que celui-là. Ouh là 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 là. C'est celui de retour du truc. Ah, il doit y avoir un train qui le bloque. Alors si on isole ici. Ouais, c'est bon. L'autre, il est parti. Eh ben, dis donc. En fait, il vaudrait mieux l'isoler plus par là. Ouais, donc là, on va voir le train de pétrole qui arrive ici directement. Et on va créer du pétrole lourd, du pétrole léger et du gaz de pétrole. Et c'est déjà quasiment tout plein, hein. Donc là, il y a un train. Il y a un train avec trois wagons qui va pouvoir venir se charger de ces éléments-là. Usine, raffinerie. Ça s'écrit pas comme ça, raffinerie. Il n'y a pas deux N. Ça coûte déjà assez cher. Ça coûte déjà assez cher comme ça, le produit de la raffinerie. Si en plus on rajoute des lettres, ça va pas le faire. Hein. Donc là, tous les trains, ils sont bloqués partout. Ok, on a réussi à bloquer tout le truc. C'est cool. C'est la, on arrive à la limite de notre truc là. Et ici, donc il faudra lui trouver un nom. C'est usine raffinerie. Chargement, CHG. Et là, on charge quoi? On charge du pétrole lourd, du pétrole léger et du gaz de pétrole. Il y en a un entre chaque? Ah non. Ok. Et pop. Voilà. Et là, on n'a pas de train. On n'a pas encore de train ici. Il va falloir qu'on se fasse un train qui vienne chercher ça et qui vienne donc amener au quai de chargement à une zone de stockage. Bon, il faut qu'on regarde pourquoi. C'est pas possible ça, les gars. Il attend après quoi celui-là? Après des poutrelles. Ah non, des rails. Ah oui, mais du coup il charge en poutrelle comme c'est pas possible. Ah bah non, il charge bien en rail. Ah oui, dès que ça arrive. Pop, 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 pop. Et les rails, c'est fait où? C'est fait là, madame, les rails. Alors il manque de quoi, lui, pépère? Il manque de poutrelles de fer. Elles sont censées arriver où, ces maudites poutrelles? Ah, elles arrivent ici. Ah oui, elles sont fournies là. Il y en a une pour... une pour ici, une pour par là. Ah oui, celle-là, c'est celle qui partent. Tchou 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 tchou. J'ai presque envie de supprimer celui-là pour que on construise un peu plus de rails. Bon, de toute façon, il va falloir revoir mettre des fours électriques là.
Bon, ça c'est encore un autre truc à améliorer. on n'en peut plus des trucs à faire. Il y a trop de trucs là. Bon, sinon après je le lâche, hein. Poup poup, et ça va débloquer. 118. Et il en attend combien? 150. Parce que ça, il y en a largement assez. Ouais. Donc c'est le deuxième truc que j'ai dérivé, ça. Ah, la déraille en masse. Ah, das gut. Ya. Yeah. Ça fait plaisir de voir tous ces rails. Bon, nous en attendant, on n'est pas hyper pressé. Et heureusement, ça vaut mieux. Donc on va faire notre déchargement. Donc dans quel sens c'était? Attends, on va récupérer notre bagnole. Ça va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus rapidement. Alors, cette pauvre locomotive, elle a pris cher. Je ne sais pas qui a tapé dedans. Je ne sais pas qui a tapé dedans, mais... Vache. Tous les trains sont à la queue leu leu parce que l'autre il est bloqué là pour aller Donc dans le premier wagon il y aura du gaz de pétrole. Dans le deuxième, du pétrole léger et après du pétrole lourd. Ok. Oh. Donc faut qu'on stocke ces trois trucs là. Ça y est, ça va se débloquer. Ça fait plaisir à voir. Tous ces petits trains qui se débloquent là. Voilà, c'était pas la peine de paniquer. Tout finit par toujours se résoudre. C'est quand même pas compliqué. Alors moi ce que j'ai intérêt à faire si j'ai plein de produits, c'est je me dis, il faut que les premiers produits je les stocke ici. Il est futé le Z, hein. Alors, des rails j'en ai pas beaucoup par contre, hein. Oui, alors en fait, le tout droit il va au moins jusque là. Pourquoi à chaque fois ça se resserre? Ouais, là, je peux pas à cause du signal.
Pourquoi il veut pas? Ah, à cause du rocher. Pas grave, on va le péter le rocher. Ah, a plus de rails. A plus de rails. Du coup, ça charge un petit peu. Je vais pas tout prendre. On n'est pas des monstres. On reviendra. Je prends que la moitié. C'est la raquette moderne. Bonjour, je m'appelle les impôts. Je m'appelle l'État français, les impôts. Je vais prendre la moitié. Alors. Ouais, donc on peut mettre des signaux tout de suite. Faut juste en faire. Surtout, va falloir s'installer, se faire deux gares. On s'installe au plus près, hein. Ah, quoi que non, là, le chargement et le déchargement doivent être décalés de 1. Bah, surtout si on met des... Ouais. On va voir. On va voir. On va péter ça. Hop. Ma pompe. En fait, oui, on va regarder. Là, c'est... Oups. Il peut être là. Donc là, il faut un tuyau. Là, on met un premier réservoir. Alors, on peut s'en taper un deuxième. Il faut quoi pour faire des réservoirs? Il faut de la plaque de fer. J'ai manqué de plaque de fer, les gars. J'ai mon réservoir qui est là. Ah, il faut que je le retourne. Ah non, c'est R. Ouais, comme ça. Ah oui, mais il va pas aller. Ah, brin de brin. Ah, crève-en long. Je ne vois point aller, je t'affouère l'eau. Ah ben si, je peux mettre la pompe... Si, du coup ça c'est même mieux. Parce que je peux mettre la pompe ici. Tac. Et lui, bah ça correspond bien au premier wagon. Alors par contre le chargement. Non, le chargement ça va pas parce que. Dans ma structure de mes trains, normalement, les trains normaux.
Le premier wagon, c'est ce qui est produit. Le deuxième wagon, c'est ce qui est nécessaire en solide. Et le troisième wagon, c'est ce qui est nécessaire en liquide. Donc là, le chargement, il devrait être devant le troisième wagon. Waouh, mais on s'aperçoit que le troisième wagon, il est là-bas au bout. Ouais, donc ça va pas. Ça va pas, sauf à, après à mettre des tuyaux. Mais après, le deuxième. Parce que le deuxième va être ici. Aïe aïe aïe. Ouais, donc en fait, c'est le troisième que je dois charger. Donc c'est celui qui est ici. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Le truc, ouais, donc je dois charger le troisième wagon. Donc là, c'est le premier wagon. On peut mettre la gare ici. Et la pompe, on va donc la placer à ici. Ouais, on peut même l'avancer. C'est du tout ou rien. On va la mettre là. Le train de pétrole, je l'avais pas envoyé pour vider ça. Ah oui, il y en a quasiment plus de pétrole. C'est bon, il est en train de le... Il vient bien le chercher ici, quoi. Ah ben, je peux le savoir en demandant le train. Pourquoi il y a deux trains avec cet arrêt? Ouais, déchargement, mais pour l'instant c'est du chargement. Ouais, ok. Comme mes trucs sont pas bons, Donc ça, je pourrais venir le récupérer quand ça sera vide. Ah ah, mais pas avant. Ah, le gaz de pétrole, il est quasiment vide là. Il en contenait encore, mais on a plus assez de toute façon. Hop. Donc ces machines-là, ces usines-là, va falloir les déménager.
Donc, le deuxième, on va venir le placer ici. Mais il faut pas qu'il soit collé. Ah, ou comme ça. Mais bon, on va les séparer, ça va être plus propre. Et on va le tourner. Sauf que là, il va falloir une autre gare parce que quand on va vouloir charger. Donc là, on va mettre le gaz de pétrole. Là, on va mettre le pétrole léger, le pétrole lourd, etc., etc., etc. Bon, attends, je me refais des... il va me falloir des pompes aussi. Les pompes, on les mettra après. Donc, une pompe qui correspond au deuxième wagon et une pompe qui correspond au troisième wagon. Ça c'est la base alpha. Déchargement de gaz de pétrole, pétrole léger. Pétrole lourd. Et il va falloir que je fasse un train donc avec trois trucs citernes. Donc une locomotive. Ah, et il n'y a plus de. Qu'est-ce qui va me manquer? Les plaques d'acier. Oh, il faut trois. Il va falloir trois réservoirs. Fichtre. Il va falloir de la plaque d'acier. Donc on va aller le... Où est-ce que j'ai mis ma bagnole? Où est-ce que j'ai mis ma voiture? Ma tuture. Ça y est, ils sont encore bloqués chez train. Non, il n'y a pas besoin de mettre de lumière, c'est pas comme dans Minecraft, il n'y a pas de mob. Enfin, je pense pas que les. Donc là, c'est aussi une raffinerie chargement. Ok, donc on met notre locomotive. Elle est là. Je pense qu'elle va dans ce sens-là, non? Pop. Ensuite, on met les trois wagons citernes. Pourquoi j'en ai qu'un? Ah non, c'est un wagon de marchandises. Donc, un wagon citerne. Pop, pop, voilà. Avec gaz de machin. Donc, au niveau carburant. Ah, je suis trop loin, je pense. Au niveau carburant, eh ben, on va te mettre ce qu'il faut pour le platine.
Et au niveau itinéraire, donc tu vas aller te charger en charbon pour la loco. Et là on dit temps écoulé 15 secondes. C'est bien. Après, il va se décharger. Où elle est la base alpha déchargement Ah, c'est pas mis à jour. Base alpha déchargement de quoi? Ah, c'est pas mis à jour. Oh oh. Il n'y a pas assez de... il en manque deux. Mais si celui qui les amène... Ouais, celui qui les amène est bloqué. On est feinté là, les gars. Hein? On est d'accord. Vous êtes feinté. Oh là 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 là. Vous brillez quand même pas pour votre intelligence, hein. Il y a très très peu d'IA là-dedans. Alors s'il y a deux wagons, ça va passer. S'il y en a un autre qui veut venir ici, c'est mort. Tu vois, dis, bah si, à moi je suis l'IA développé par Fredo. Ah bon. C'était pas l'inverse? C'est pas toi qui avais développé une IA qui s'appelle Fredo? Où on en est? Trêve de bêtises. Ah oui, le nom de ma gare elle est pas bonne. Et pourquoi? Base alpha, déchargement. Ah, pourquoi il la voit pas l'autre? Oh, il m'énerve. C'est bien base alpha. Base alpha. Déchargement, pétrole. Je suis pas bien. Après, tu vas nous dire que tu manges pas de graines non plus. Ben voyons. Après, tu serais une IA, la première chose que tu dirais, c'est de dire que tu n'es pas une IA. Sauf ChatGPT, mais ChatGPT, c'est pas une vraie IA. C'est un truc pour amuser les enfants. Alors, non, je vois pas le base alpha déchargement. Ah, pourquoi il est là en rouge? L'arrêt est inaccessible à la position actuelle. Ah bah oui, j'ai pas fini les rails. Oh, j'ai pas posé les rails. Non mais on s'en sortira pas les gars. Si vous faites pas un effort, on s'en sortira pas, hein. De toute façon, c'est une soirée c'est une après-midi, je fais que des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Oh, même pas mort. Elle même pas esquintée la loco. Je sais pas comment j'ai fait ça les gars. Ne me demandez pas de le refaire. Je n'y arriverai pas. Eh, tu vas où la totomobile là? Oh. Ah, elle est quasiment morte. Ah oui, elle a salement morflé. Enfin, je commence à épuiser mon petit tournevis. Bon, d'un côté, on ne perdra plus. Alors, il va falloir des tonnes de rails là.
parce que j'en ai pas assez. Je vais pas t'en avoir assez. Pop. 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 Et voilà, elle n'en a plus. A plus de rails. A plus de rails. Les rails, c'est où? Les rails, c'est là. Je prends tout. Le prochain qui sera là, bah, il attendra. Voilà. Puni. Par contre, hyper synchro l'accident au moment du je ne fais rien que des bêtises. Ah bah, streamer pro. Hein. Ça va continuer de marcher là le. Hein, il a pas aimé ça le truc hein. Il a pas aimé ça le petit feu. Voilà. Alors, Gabusoui nous dit, dans les gares, tu as la possibilité de limiter le nombre de trains, comme ça, s'il y en a deux, de demander, le troisième restera en attente à sa dernière gare d'arrêt. Ah, ok. Ah. C'est futé, ça. Voilà, maintenant, toutes mes voies sont reliées. Eh ben, on va regarder justement à celle qui pose problème. C'est laquelle? C'est le chargement du... C'est celui-là, hein. En plus, oui, la gare est super proche. Ouais, d'autant qu'il y a 8 trains avec cet arrêt. Alors tu peux le demander où ça? Ah, activer la limite de train. Donc si on dit que je peux stocker un train, deux trains, donc je dis il n'en faut que deux. Activer la limite de train, 2. Non, pas 20, 2. Où est-ce que je mets à jour? Où est-ce que je mets à jour ça? Ça ne marche pas sur ceux qui sont déjà partis, bien sûr. Bien sûr. Bon, là, faut que je rajoute un feu ici, sinon ça va tout bloquer. Parlons français. Essayons de parler correctement notre langue maternelle. Bon, je vais récupérer ma bagnole. Parce que j'aime bien jouer avec ma petite voiture. Je me demande si je préfère pas la petite voiture à le chouchou. Ah ouais, mais il faudrait que j'ai mon propre... Alors, toi, tu vas donc à la base alpha de déchargement de ces choses-là. Ajouter une condition d'attente. Wagon plein. Non. Non, non. Wagon vide. Alors, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que si les réservoirs sont pleins... Non, si... Oui, si un des réservoirs... Un des trois réservoirs est plein... Les doubles réservoirs. Je sais pas, là, je vous ai perdu là. Le train il va rester bloqué. Bon, a priori il n'y a que nous qui venons là. Alors, ensuite il retourne à l'usine. À l'usine raffinerie, chargement de ça. Et là il attend wagon plein. C'est pas plus compliqué que ça. Manuel? Automatique? Non, Manuel Valls. Il est parti. Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou.
Il va pas tomber en panne d'essence. Non. Tournez pas tomber en panne d'essence. Ne me dis pas que tout est tombé en panne d'essence. Je ne les crois pas. Ouf. Ah non, c'est juste qu'il y a la queue. Tout le monde s'éclate. Ah là que le. Tout le monde s'éclate. Ah là que le. Tout le monde s'éclate. Ah là que le. Ouais, il aurait fallu que je dise aussi que j'ai une voie réservée au chargement des locomotives. Ça va être bon. Par contre, ah si, du charbon, il y en a. Nickel. Bon, après, il va aller à l'usine de déchargement de produits pétroliers. Ah, alors on va avoir un problème. on va le poster là, mais je pense qu'on va avoir un petit souci. Parce que... les mecs ont pas commandé le... ils ont pas commandé l'électricité. C'est ballot. C'est ballot. Salut Clampin et merci pour ton raid. Bisous à toi. Clampinette, Clampinet. Clampinettoise, Clampinettois. Bonjour. Pourquoi ça marche pas alors? Ah, je suis pas dans la zone de... Salut Edgy. Je suis pas dans la zone de turbulence. Ah, je peux pas faire les deux. Gredin. Comment ça, je suis trop loin? Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, par contre, mon train, il est où, là? Ah, ils sont encore tous bloqués! Ah ouais, c'est en... attends, là, c'est à celle-là que ça met le bazar. Ah, pareil, il y en a que deux. Activer la limite de train. Deux. Ah oui, mais s'ils sont dans des gares comme ça, ça veut dire que... Ah, il y a un piège. Non, il y a un piège. Il y a un piège. Ah! Il est parti notre train. Il est où? Ah, attends. On peut le suivre comme ça en disant... Ah, il est là. Il arrive. Il arrive. Tchou tchou. Et on pourrait faire la même chose dans Créate. Et là... Ah, pourquoi ça marche pas pour le... Pourquoi ça marche pas pour le gaz de pétrole? J'ai bien une pompe. Pourquoi elle se vide pas? Ah, ça va pas être une pompe pour le gaz? Ça va être autre chose qu'il faut? Oh non, ne me dites pas ça! Le truc de la limite de train a plutôt tendance à déplacer le problème que le... Ouais, ouais, ouais. Je démonte la pompe et je la remets. Je coupe la lumière. Ah ouais, ça marche!
C'est magique. It is magical. Magical Mystery Tour. Hein, c'est marrant ça, comme petit bug. Merci pour le tuyau, Gabusoïde. J'aurais peut-être fini par le faire, hein, mais... Non, j'étais... Comme c'est un gaz, par rapport à un liquide, autant un liquide, c'est RP, le coup de la pompe, autant le gaz... Normalement, c'est pas des pressions, des pressions... Le gaz, il va là où il n'y a pas la... Quoique non, il faut... Ah non, il faut un système avec clapet, parce que sinon, le gaz, en fait, il va s'équilibrer entre le... Entre la citerne, le wagon citerne, et... Le réservoir. Elle était pas dans le même trou? Ah, elle était... Elle était à côté, vous croyez? Non. Non, ça... Vous croyez que j'aurais été capable de pas aligner la pompe avec le tuyau? Non mais... Non mais dites-le! Dites-le! Non mais dites-le, hein, Oui, non, mais... Et ils répondent! Ils répondent en plus! On dirait mes petits-enfants! Alors moi, les petits-enfants, je les... Je les toise comme ça, là, avec les yeux à moitié fermés, mais j'ai dit, papy a toujours raison. Règle numéro 1, papy a toujours raison. Et des fois, ils essayent de se rebeller, et là, il faut réitérer. La règle numéro 1, c'est papy a toujours raison. La règle numéro 2, ils la comprennent pas encore, ils sont trop petits. Ne parlez pas d'être à côté du trou quand il y a G sur le chat. Ouais, c'est vrai que... Ah, si t'es pas bien aligné, ça marche pas, hein, G. Bah, ça marche pas pareil, quoi. Ouais, mais tu l'as déjà dit, y a pas la place, Philbur. On va pas rallonger les voies, y a pas la place, y a pas la place. Je vais pas tout redémonter. Il faudrait redéplacer, il faut rallonger, il faut déplacer les gares, il faut déplacer tout le système de stockage. On fait comme ça, c'est fait, voilà, il faut gérer, il faut marcher avec l'existant. C'est des contraintes, c'est des contraintes. C'est bien, Gabusoïde. Toi, t'es gentil. Et les autres, c'est vraiment des... Papy grincheux. C'est mieux que papy pervers. Non, mais des... avec les petits enfants... Vous verrez quand vous aurez des petits enfants, ceux qui n'ont pas encore de petits enfants. Vous verrez. Faut pas se laisser marcher sur les pieds, hein. Parce que sinon, ils te piquent ton porte-monnaie, les clés de la bagnole, et puis... Ils sont partis au Macumba, hein. Où on en était? Bon, du coup, on charge ça. Alors, il fallait une première usine. Ouais, parce que ce qu'il va falloir faire... Alors, il y a deux trucs à faire. Il y a les fours électriques pour la production de poutrelles de fer. Et puis, il y a... Ne cours pas sur les voies, tu vas encore te faire écraser. Il faut déplacer ces trucs-là. Parce que vous voyez le plastique, là? Le plastique, c'est fantastique. Eh ben, il n'y en a plus. Oh, il va bientôt plus y avoir de pétrole non plus. Donc ça, il va falloir le démonter et lui le renvoyer à la raffinerie au puits de pétrole, quoi. Toi aussi, t'as un papy qui radote. Ah bah, les papys, c'est fait pour radoter, hein. Et les mamies, surtout. Enfin, les mamies aussi. Non, les mamies, c'est pour faire des câlins. Et moi, je dis, c'est fait pour faire des câlins aux papys. Il y en a marre de ces petits-enfants. Bon, ouais, donc le pétrole brut, il va falloir donc 1. Les poutrelles de fer, 2. La raffinerie, enfin le stockage ici, il faut le dégager. Ça, il faut le déplacer aussi. Donc la production de ça qui nécessite... Ah, ça nécessite du charbon. Bon, faut le déplacer. La production d'acide sulfurique. C'est de l'acide sulfurique, ça. Ouais. Faut le déplacer aussi. Ah, et là, il y a du soufre à ramener. Soufre.
Il va où le soufre là? Ah, il y a un truc de chargement de soufre. Ah bah ça c'est cool. Ensuite, ah oui, là la production de soufre, ça on peut le garder. Ah ben non, parce qu'il faut du gaz de pétrole. Donc il faudrait quelque part une gare pour décharger le gaz de pétrole. Non, ben ça, ces trois trucs là, faut les dégager dans notre côté de production. Ici on a le, on a la zone de, en fait c'est, c'est facile, il y a deux zones. On a une zone de stock. Là, on a notre ville ancestrale, la ville médiévale. Là, on a notre zone de stockage. Donc, déchargement de ce qui est produit, chargement de ce dont on a besoin. Ici, on a les usines de production. Une série d'usines. Une deuxième série d'usines. Là, c'est plutôt consacré à la chimie. Et à la pétrochimie. Et à la gazochimie. Il n'y a pas une usine niveau plus haut qui marche à l'électricité pour éviter de se taper en plus un tapis de charbon? Bah c'est pas un tapis, c'est, il va falloir remplir un train. Bon là les trucs sont... Vu le nombre de trains qu'on a, on a atteint la limite. Mais il faudrait peut-être dédoubler... Pour ceux qui repartent là, on pourrait dédoubler la voie ici, avoir une deuxième voie. Par exemple, hein, ça pourrait être le genre de petites choses qu'on fait. Dis donc, c'est lequel qui est parti là-bas? Ah oui, non, il a toujours les deux trucs. Et tant que le, là, il doit être plein... Faudrait que je clique dessus. Je peux pas cliquer dessus à un train? Ah si. Ouais, il fait la base alpha de chargement de pétrole. Quand il y aura plus de pétrole du tout, bon ben là il passera tout debout et il ira se recharger au pétrole. Ah c'est bon. On en profite pour vérifier le niveau de pollution qui est correct. Pour l'instant c'est correct, on n'embête pas de nouvelles bestioles, c'est impeccable. Où est-on? Je suis là. Donc il faut qu'on fasse plein de choses là. Parce qu'en plus le plastique, qu'est-ce qui est le plus urgent? Le soufre c'est pas mal, on a du stock. Le plastique il est en train de diminuer. Et puis... ah ouais, alors tu disais le truc avec le charbon. Manque d'ingrédients liquides. Ben en fait, non, parce que c'est une usine, c'est pas, le charbon, il n'est pas utilisé pour faire chauffer la machine, il est fait pour produire le plastique. Alors pourquoi du charbon? Parce que les autres usines, elles marchent pas du tout au charbon, quoi. Là, c'est plaque de fer, soufre, zo. Bon, l'eau, on la pompera. Par quoi on commence? Pas très en forme, Philbur, aujourd'hui, hein. On peut pas être au top tout le temps, hein. C'est ce que je dis souvent à Madame Z. Faut que j'arrête de dire ça, surtout que si j'ai... Heureusement que G1 n'est pas là. C'est une des matières premières de la fabrication. Ouais, c'est ça. C'est pas le... C'est pas ce qui fait marcher la machine. C'est une des matières premières. Bon, donc on a... On va peut-être laisser tomber l'urgence, c'est pas le, c'est pas les poutres de fer, ça va plutôt être ces trois trucs-là. Et je pense surtout que le pétrole doit être vide là, non? Ah non, il en reste. Ouais, mais il reste vraiment pas grand-chose. Hein. 0,2. Celle-là est vide. 0,2, 0,5, 0,7, 1. Et il en reste un peu dans le tuyau là. Ah non, tous les tuyaux sont vides. Bon ben on va les, je vais les récupérer hein. Voilà. Pas de gâchis. Hop.
Donc au prochain passage, on récupérera tous ces trucs-là, plus une pompe. Donc on va s'occuper de déplacer... Donc la production de plastique. Où il faut donc du charbon. Plus du gaz de pétrole. Donc un plastique. Non, deux plastiques. C'est un charbon. Et 20 gaz de pétrole. Merci Fredo, hein. Merci Fredo pour le soutien. Donc je pète ça. Je pète ça. Ah ben on va pouvoir récupérer tout ce charbon là. Donc je pète ça. Je pète ça. Je pète ça, je pète ça. Ça c'est quoi? Non, ça... Oui, c'est plus utile. Ça non plus. Hop. Par contre, j'ai pas de... Ah, disons, ça fait chargement locaux, ça. Allez, voyou. Eh ben, comme lui, c'est les... Ouais, bah cette gare-là, elle va plus servir. Donc lui... Il servira plus non plus. On va le supprimer. Oui, j'ai pas de gare pour charger le charbon. Alors, est-ce que je pourrais utiliser ça pour gare pour charger le charbon? Parce que là, il va me falloir... envoyé en MP. Je crois que je vais te bannir, Fredo. Non, mais vous êtes des voyous, vous respectez vraiment, hein? Vous êtes vraiment des voyous, hein? Bon, tout est encore bloqué. Je balance pas, j'en sais. C'est le truc de la carte verte. Ah ouais, puis y'en a pas assez. S'en servir hein, de la voie sans gare. Il n'y a pas de petit Oui, parce que là ici actuellement il y avait le déchargement de l'acide sulfurique. C'était ça, hein. On déchargeait le pétrole et on chargeait l'acide sulfurique. Tout ça va être ailleurs.
l'acide sulfurique, qui va les changer ailleurs. Donc ça, on refera un truc de chargement, déchargement, d'autres choses. Déjà, je pense, on va se faire le charbon. Là, on a du charbon. Mais attends, s'il y a du charbon, il va où le charbon, là? Ah bah non, on peut déjà charger le charbon ici. Ah bah non, on a déjà un quai de chargement de charbon. Donc c'est tout bon, on va pouvoir faire notre usine. Puisqu'il nous faut du charbon, et du gaz de pétrole, et du plastique. Donc par contre, il me faut une locomotive. Allez, hop. Il me faut deux wagons. J'en ai un, il m'en faut un autre. Qu'est-ce qui va me manquer? Des plaques d'acier. Et il me faut donc un réservoir. Et les plaques d'acier, c'est où? Hop, c'est pour Bibi la plaque d'acier. Donc, il me faut une locomotive. Il me faut un deuxième wagon. Hop. Et pourquoi il va manquer quoi? Des plaques de fer. Exagérame les gars, exagérame. Qu'est-ce que vous pouvez consommer en plaques de fer? Pour avoir mon wagon à moi. Voilà. Allez, on va se faire notre usine à plastique. Le plastique, c'est fantastique. Je sais pas où j'ai mis ma petite... Ouais, alors, de toute façon, si le train... Ouais, il est bloqué ici. Bon, lui, il faut l'envoyer. Tant pis. Ah, est-ce que je peux le renvoyer? Est-ce que je peux faire ça et ça? Ah bah non, il est parti. Hop. Et maintenant, je peux faire... Oh, refais un tour. Ah non, ça le bloque. Mais qui est bête? Pourquoi il veut pas passer? Va se passer. Ah, ça se mord la queue. Ça, c'est pas un problème. Hop. Je crois que j'ai perdu ma bagnole. Allez là. Ok. Allez voir mamie. L'inventaire commence à ressembler à celui de... Ah ouais. Ah ouais, un petit peu, ouais. Il est bientôt plein. Comme quoi, c'est pas parce que t'as pas beaucoup de cases que ça arrange les trucs, hein. Non, mais le soufre, par exemple, je vois pas pourquoi j'ai autant de soufre, quoi. Peut-être parce qu'on adore souffrir dans les jeux vidéo. Ah, je vais pas avoir assez de voix. Alors, bah, on va faire une voix côte-côte. Puisque là, c'était pour du déchargement de... Ouais, on avait fait une usine un peu spéciale. Alors s'il y a une usine qui a besoin d'eau, non, ben on rallongera le tuyau en fait. On s'en fout. Hein. Ouais, on s'en tape le coquillard. Donc là, du coup, il est en attente de quoi? Lui, il a pas livré tout le pétrole. Lui, il est pas plein, pas plein. Ah, voilà la limite du truc. J'ai mis wagon plein.
Alors le pétrole, la raffinerie ne marche plus. La raffinerie ne marche plus puisque... Ah mais non, c'est bon, elle... Non, non, elle fonctionne toujours. Ok. Non, bah c'est bien. Non, c'est bien, j'ai rien dit. C'est bien, c'est bien. Bonjour, homme-fille. Oui, c'est même nickel. Hop, allez. On va poser des voies. Donc là, je pose juste là. Trop loin. Hop. Ah. Mais pourquoi il me fait ça? Il est vilain avec moi. Pas assez de rails. Pas assez de rails. Bon, on va rechercher des rails. Pour la peine, je vais péter ce truc là. Tiens, prends ça. Et quand je pète les arbres avec ma voiture, je les récupère? Parce que là, il m'a rajouté du bois. Hein. Ils sont pas chez moi, ils sont pas en retard. Je vais où? Ils sont pas en retard, c'est ils roulent même pas. Je veux du rail. 50, ça devrait aller. On n'est pas des monstres. Hein. Mais on n'est pas venu là pour souffrir. Quatrième. Cinquième. Il y a des gens, ils doivent débarquer, ils disent... Et le vieux, il est complètement starbé. Hop. Alors. Il me faut... Il faut une gare. Ah, j'espère que je vais pouvoir la mettre. Alors. Non atteignable. Ficherai moi du non atteignable, petit voyou. 967 000 points de chaîne, bientôt le million. Ah tiens oui, on avait un problème. Pop, voilà. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Hop, voilà. Donc. On va claquer une petite gare à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'on la met en même endroit que les autres? C'est-à-dire là-bas? Ouais, là, on s'en moque, en fait. Oh, non! Non, j'ai... Non! Bon, c'est pas grave. C'est pas la... C'est pas la première et c'est pas la dernière qu'on construit, hein. Bon, là, mais là, hein. Hop! Et donc, là, on va l'appeler l'usine... usine à plastique. Alors, c'est le coin chimique. Est-ce qu'on met usine chimique? Alors, remarque, il y avait raffinerie. Remarque, les usines à batterie... Ah oui, on en avait quand même des où on ramenait du... Ah, j'aurais pu les construire. C'est pas... Non. Ouais, c'est... Si, parce que là, c'est quand même une usine de produits chimiques. Je l'ai pas mis au bon endroit. Donc, on va pas mettre usine chimique, sinon on va pas s'y retrouver. Ah, voilà, il a déjà... Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce truc. Ça part déjà en...
Voilà, on va faire quelque chose de bien rangé, puis c'est n'importe quoi. Donc, usine. Usine plastique. Le plastique, c'est fantastique. Et donc, on met le petit... barre de plastique. Est-ce qu'il faut mettre barre de plastique? Peut-être, hein. Barre de plastique. Poup. Voilà. Alors, on va voir notre train qui va être là. Donc, on va décharger. Qu'est-ce qu'on va décharger? On décharge le charbon. On va peut-être partir du chargement. On va mettre un coffre en bois. Donc on va charger. Enfin, on va charger le wagon avec ce qu'on va produire. Ce qu'on produit, on le produit dans une usine de produits chimiques. Est-ce que ça sortait directement ou est-ce qu'il fallait un petit robot, je me souviens plus. Et là on va lui claquer du charbon. On va décharger ici et du gaz de pétrole qu'on va lui décharger plus bas. Alors, est-ce qu'à chaque fois on fait un buffer ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait à l'autre truc? Oh toi tu vas péter. Paf. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'ai du brin après. Voilà pourquoi j'ai du brin dans mon inventaire. Mais je l'ai pas fait exprès, moi. Alors, non, ici, on n'a pas mis de buffer. On sait pas en qui qu'il est. C'est un choix. C'est un choix. Là, on va essayer de travailler proprement, quand même. Alors, ici, on va faire du plastique. On l'amène où le charbon? On l'amène où on veut? On peut quand même pas le, on peut quand même le charger ici par exemple. J'ai plus de caisse en bois. Ok, il y en a plus, il y en a encore. Je me demandais si est-ce que je pouvais le mettre là, mais bon, de toute façon, on va le mettre comme ça, et puis... ça va être bon. Et puis, il me refaut une pompe. Est-ce qu'on stocke ça? Oui, bah, on a tout... on bufferise tout. Ma pompe.
Donc on sort le gaz ici. On va le mettre dans un petit réservoir. J'ai bien mis les trous en face, l'un de l'autre. Oh, deux, ça va pas être assez. Oh, il en faut plus. Oh, joli. Bon, ben, on n'a plus qu'à mettre notre chouchou. La locomotive. Elle est dans quel sens? C'est pas toujours évident de voir dans quel sens elle est, la loco, hein. Apparemment, la tête, elle est là. Deux wagons. Et un wagon citerne. Alors, j'aurais... En fait, j'aurais pu mélanger... Mais après, ça fait faire des robots différents. Un seul wagon pour ce qui est livré et ce qui est nécessaire. Mais bon, on complique le truc. Donc là, c'est bon. Compliquer un truc, non? Oui. Toujours. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je le dis souvent aussi à Madame Z, ça. Alors, on ramène de l'électricité? Non atteignable. T'en ficherais, moi, du non atteignable. Et les Athéniens à atteignir? Voilà, tout est électrifié. C'est tout bon. Donc on va pouvoir balancer la sauce. Donc ça... Non, ça on s'en moque. On s'en moque, c'est du plastique. Ça c'est le charbon, c'est bloqué. Et ça, on va pas se mélanger. Ah si, 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 là on veut mettre du gaz... Dans le troisième wagon, on veut mettre du gaz de... Ah, dis donc, il y a un inventaire dans la bagnole. On peut mettre des trucs dans la bagnole. Un peu comme du brin, quoi. Ah, la petite lumière pour faire joli. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai une. Ah ouais, mais il fait jour. Allez, on fait un tour en bagnole. Ouais, c'est bon. Oui, donc ça c'est la base alpha. Chargement, gaz de pétrole. Et c'est sous-entendu dans le troisième wagon, puisque c'est un liquide. Voilà. Non, mais c'est, je suis assez bien organisé et je suis assez content de moi pour une fois. Mais vous êtes... vous critiquez, vous vous moquez parce que vous êtes jaloux. Vous dites... Oh, vous êtes impressionné même des fois. Vous dites... Oh vache, jamais j'arriverai à faire un truc comme ça, moi. Bon, allez, on va charger en... On va charger la loco. Allez, temps écoulé, 15 secondes. Ensuite, on va chercher du charbon. Et on veut
Alors, si on veut faire... une cinquantaine de plastiques, il faut 25 charbons. On va partir sur ça là-dessus au début. Ah ouais, mais il faut 500 de gaz de pétrole. Donc j'ai dit combien de charbon? 25. Cargaison supérieure ou égale à... cargaison de charbon supérieure ou égale à 25. Ensuite, on va se charger ça. Une fois qu'on a ça et ça, on vient à l'usine. Ah, j'ai pas mis de conditions. Par contre, je sais pas si on va pouvoir spécifier. Ah non, parce que c'est une quantité. On n'a pas le gaz là. Comment on lui précise On va quand même pas dire wagon plein. Comment on peut lui préciser que on veut telle quantité de gaz? Alors, c'est il y a peut-être un truc spécifique au liquide. Quantité de liquide. Ah, fluide. Gaz de pétrole supérieur ou égal à combien? On a dit 500. Pas avec de la cuillère. J'espère que c'est son. C'est bon. Oui, c'est 25 000 un wagon. Hein. Et ensuite on va à l'usine. Donc l'usine plastique. Ah, c'est plaque de plastique. Barre de plastique. Usine barre de plastique. Et on attend nombre d'objets. Donc le plastique. Et on avait dit qu'on en voulait 50. Supérieur ou égal à 50. Après, il va falloir le livrer, le plastique. Ah, 18h48, tu manges des cookies, Filmur? Ouais, Hotbug a raison, hein. Tu les as trempés dans quelque chose? T'es un barbare. Les cookies, ça se barre. Vous êtes vraiment des barbares. Vous êtes vraiment des barbares. Ouais, faut décharger le plastique. C'est vachement long, mine de rien. Là, tu dis, bah ouais, mais forcément, t'as vu ton organisation de brin. Oui, mais quand ça va être complètement fini, qu'est-ce que ça va être joli, tous ces petits trains qui vont se croiser là dans tous les sens. Ah, destination pleine. Ah, c'est le fameux... Et voilà. Donc lui, il va pas partir parce que la destination, elle est pleine. Et lui, il va pas partir parce que normalement, il va où après? Il va se charger en rouge. Et le chargement en rouge, il est... Bah non, il est pas plein, le chargement en rouge. Ah non, il va au vert. Et le vert, il est plein. Et lui, il attend. Et voilà. Et celui qui charge le vert est derrière. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ah, il vient se décharger. Ah oui, c'est le même qui fait le déchargement et le chargement. Bon, ben voilà comment on bloque le système. Bon, on enlève la limite de train.
J'ai enlevé la limite de train, chef. Donc tu peux partir. Tu peux y aller maintenant. Le verre est plein. Il vaut mieux qu'il soit plein qu'il soit vide, hein. Bon. Ce qu'il y a, c'est que si je charge pas de verre, il m'énerve ce truc. Comment on peut le libérer du coup? Ah non, c'est pas le. Ah non! C'est le verre, c'est la limite du verre qu'il faut enlever. Voilà! Non mais c'était hyper simple. Mais bon, on aura le problème aussi sur le verre. Voilà. Donc là, là ça va le débloquer parce que maintenant il va pouvoir délivrer du verre. Et lui, il en amène. Ouh, 60. Mais bon, s'ils viennent tous chercher du verre, là, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, hein. On est bien d'accord. Bon, où est-ce que je vais décharger mon plastique? Est-ce que j'ai encore une zone de libre? Normalement le plastique c'est ici. Est-ce que je pourrais faire un déchargement, mettre une gare ici pour le décharger? Oh dis donc. Ah oui, il attend wagon plein, mais il aura jamais wagon plein puisqu'il n'y a plus rien, hein. Donc en fait, faut que je coupe, faut que je démonte tout là. Donc, il faut que je l'envoie ailleurs. Je l'envoie. Bah en fait, j'enlève le, j'enlève cette base là. Il va aller à pétrole. Hop, ça y est, il est parti. Il va aller se remplir à pétrole. C'est bien. C'était pile poil ça. Donc moi, je démonte ça, 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 ça. Je pourrais presque venir faire un déchargement de plastique ici. Et on pourrait avoir déchargement de plastique et déchargement de soufre au passage. Donc celle-là, on l'appellerait. On va la changer. Base alpha. Déchargement plastique. Le plastique, c'est fantastique. C'est quoi ce train? Ah, il vient chercher de l'acide sulfurique. Ouais, il va rester coincé là, lui. Il va rester coincé là tant qu'on n'a pas d'usine à faire de l'acide sulfurique. Oh là 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 là. Alors, il reste 4,9 sur 25. Il va venir la vider quoi. Donc on le laisse là pour l'instant. Mais nous on va faire un déchargement. Un déchargement de. La base bêta. Elle est en test.
Les gars, vous posez des questions bébêtes, hein. Franchement, bon. Alors, on va mettre une caisse en bois. Non. On va mettre une... J'ai celle-là. Donc là, c'est... Ah non, faut pas que je mette un jaune. Faut que je mette un violet, sinon ça va être un vrai bazar. La base bêta, bah, ça sera une base qu'on construira ailleurs quand la base alpha sera pleine. Et puis la suite, c'est alpha, bêta, gamma, delta. Ce qui est marrant, c'est que chez les Grecs, le G est avant le D. Bon, c'est les Grecs. Amis Grecs, bonjour. Ouais. Et donc là on dit on veut décharger du plastique. Voilà, on décharge du plastique. Ouais, après en fait, il y aura tout le déchargement. Ah oui. Ok, d'accord. Sachant que c'est pas tip top, parce qu'après, si on en décharge d'autres, en fait, il vaut mieux le mettre. Lui là, ah si, j'ai bah j'ai mis le bazar, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute à moi. Hop, voilà. À chaque fois, il en prend pas beaucoup, c'est impeccable. Ouais, on a bien un Y qui... Oui, mais maintenant, Rana Temple, on a changé. On l'appelle belge. Le Y. On a dit que pourquoi il serait pas belge plutôt que grec. Donc le Y français, on va l'appeler le I belge. Gamma ou gamay? Ah, gamay, c'est pas... Hop. Donc on pourrait dire alpha, bêta, chablis. Delta. Eureka. Pour le feu, c'est quoi? Phylloxera. Et le G gamay. Et phylloxera, ça va avec. Alors après, du coup, on remet un petit coup de jaune. Ah, plus de jaune? Quant à savoir qui a tort dans l'ordre des lettres, leur alphabet est plus vieux que le nôtre. Alors ça... Alors... Eh hey. Alors non. Non valable. Argument non valable. Pourquoi le truc, il est jamais dans le bon sens? Donc on décharge le plastique comme ça. Donc ça, c'est déchargement plastique. Et je vais remettre chargement chargement acide sulfurique. Temporaire. C'est temporaire, ça va changer. Clac. Ok, on est reparti. Ah, évidemment. J'ai laissé ma bagnole où? Allez là-bas.
maîtrise complètement mon véhicule. Si, monsieur l'agent. Donc, usine de barres de plastique. On va à la base alpha, à téléchargement du plastique. Jusqu'à ce que nombre d'objets plastique soit égal à 0. Et on revient. On va charger le charbon. On va chercher du charbon. On va chercher du... etc, etc, etc. Est-ce qu'on a mis du carburant? Oui, on le passe en automatique. Tchouk. Et il est parti. Tchou tchou. Alors, on est bien conscient qu'à chaque fois, on rajoute un train dans le circuit. Donc on va forcément avoir des problèmes. Hein. À un moment donné, ça va coincer. Surtout quand ils vont un peu tous au même endroit. Bon, ça y est, ils sont déjà arrêtés. Oh là 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 là. Faut que je dédouble la voie pour ceux qui retournent à... ceux qui retournent en usine. Mais le problème, ça veut dire qu'il faut que je détruise ma navette. C'était un monument historique, quoi. La navette qui s'est crachée. Bon. On va essayer de voir où ça coince. On va voir si ça coince ou si c'est normal. Parce que le système est conçu comme ça, quoi. C'est lui. Ouais, lui va au chargement. Lui va au chargement. Et ils vont tous se charger. Ah, destination pleine. Ouais, ok. Bon, c'était une fausse bonne idée, hein, le coup du base alpha. Chargement. Elle est où celle-là? Et lui, il attend quoi au passage? Ah, c'est les fameux murs. Je peux en faire des murs ou... c'est trop compliqué. Ah ouais, c'est fait avec des briques en pierre. Ah oui, des briques en pierre, j'en ai pas mal. Il manquait pas grand chose en plus. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment, vraiment très peu pour être heureux. Ah, lui, il se charge en plastique. Bon, il est où mon train? C'est ce là? Non, c'est pas ce là. C'est ce là. Crayon le long. Bah, il y a de l'attente, hein. Ah, ils sont tous encore en train de se mordre la queue. C'est horrible. C'est vraiment la queue leuleuse sur le périph, là. Tchouk, 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 tchouk.
Quelle horreur. Aïe 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 aïe. Ouais, en fait, c'est tous les trains qui viennent se charger en charbon. Toutes les locaux. Vivement qu'il y ait des locomotives électriques hein, qui apparaissent. Hop, ça y est. C'est bon, il est parti. Oh, bah, il est parti, là. Ah, il n'a pas été très 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 loin. Il n'y a pas de loco électrique. Non, on me divulgage pas la fin du jeu, Gabuzoïd. Il n'y a pas de loco électrique. Je suppose qu'il n'y a pas de loco diesel non plus. Ah, c'est bon, on va se charger en charbon. Ah non. Non, on est en attente. Votre correspondant est occupé. Nous vous prions d'attendre quelques instants. Votre correspondant est occupé. Nous vous prions d'attendre quelques instants. Votre correspondant est occupé. Il y a des locaux nucléaires. Je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Bon, il était en train d'attendre quoi l'autre là? Je dégèle? Je peux mettre autre chose que du charbon? Ah oui! Quoi d'autre? Ah, ça y est! Voilà, on va pouvoir se charger de charbon. Ah, ben c'est pas trop tôt. Ah, ouais, là c'est pas trop. Moi je dis c'est pas trop tôt. Ça commençait à bien faire. Moi je suis à deux doigts d'aller partir au petit cube. Hein. Voilà sa turbine là. Et on est parti. Bah c'est rapide, 500 de fluide. Piou. Il faudrait presque que j'aille voir si ça marche. Imagine que j'ai loupé un truc. Allez où la voiture? Où est-ce que je l'ai laissée encore? Allez là. Il n'y a pas de charbon. Pourquoi il n'y a pas de charbon? Parce que c'est pas là qu'il fallait le mettre, le charbon. Elle est où l'entrée du charbon alors? C'est pas n'importe où sur le truc? C'est quand même pas ici. Fatigue, il me fatigue. Petit poteau électrique gêne. Petit poteau électrique, il va dégager. On va pas se laisser par un poteau électrique de brin. Mais surveille ton langage. De jeunes enfants peuvent t'écouter. Non, pas mieux. Combustible nucléaire. Ouais, il me faut ça, Gabuzoïd. C'est comme l'autre à côté. Non, mais l'autre à côté, c'était que des liquides. Attends, je vais regarder celle du... On en a fait une en haut.
Ah bah c'est sur le côté alors. Oh c'est tout pourri. Je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu du jeu hein. Franchement là, je suis hyper déçu. Comment qu'on va faire? Où t'es Nono, petit robot? Petit ange parti trop tôt. Non, ça marche pas. Comment j'avais fait sur l'autre? La sortie probablement pas correcte. Ah bah si, parce que ah c'est la sortie qui est pas correcte. Il y en avait 8 dedans. Ah brin, c'était bon. Ah mais il est parti où le tout le charbon du coup? dans ma poche. Bon, on va le charger en charbon hein. Pop, pop, pop. Alors, c'est ici, il faut un petit nono. Comme qui dirait l'autre, c'est pas très pratique. Ah ben là il y a plus de charbon. Déchargement, il est pas prêt d'être fait. Hein. Bon, il faut que je récupère des rails, que je fasse le la dérivation. Ah, je t'en prends que 50. Hein. On n'est pas des monstres. Des fois, c'est que le lait. Ah oui, ici c'est dommage. Mais parce que c'est un 2 quand c'est des 3. Ah ouais, puis là il attend du vert. Et celui qui livre le verre, il est coincé dedans. Tous les coups. Ouais, ok, d'ac. Bon, ben, va vraiment falloir que je fasse autrement. Du coup. Est-ce que ça, on n'irait pas le tirer au max? Par contre, après, derrière, faut récupérer ces petits. Ah, surtout qu'après il faut que je... Bon, je peux la faire sauter complètement elle hein. J'espère qu'elle est pas radioactive. Mettre le souffle qui est dans ton inventaire dans le coffre de la voiture pour te débarrasser. Ouais, mais le problème c'est que après on va se faire une usine à soufre et
Je vais oublier que je l'avais dans l'inventaire. Je me connais. Professionnel. Le problème, c'est que si lui, il va pas, il y a surtout qu'il faut qu'on isole tout le bazar. Ah. Pourquoi il se réactive pas? C'est bon. Ah, sauf que il est toujours coincé par celui-là. OK. Ah ouais, mais alors là, lui, il bloque tout, ouais. Ah, brin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah toi, tu vas partir... Commence à devenir compliqué mon système. Hein. On est quand même au bord de. Tout c'est que ça dégage là-bas. Ouf. Ouais, ça turbine pas mal là. Et donc le plastique. Ah oui, ce que c'est qu'il y a un... Ah oui, il y a un bon réservoir. Ok. Donc ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est l'usine de soufre. Parce qu'il va encore me rajouter un... Il va encore me rajouter un truc dans le... Dans le Nourin. Et l'usine de soufre, il fallait... Ah, du gaz de pétrole et de l'eau. Et c'est 30 d'eau pour 30 de pétrole.
pour avoir deux soufres. Comment on se débarrasse de son soufre. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Salut le 4 manga. Donc de l'eau et du gaz de pétrole. Alors par contre, ça veut dire qu'il faut juste un train qui ramène. C'est-à-dire que je vais avoir un. Comme en standard, j'ai trois wagons, il faut que j'ai un deuxième wagon qui serve à rien. Bon. C'est pas gênant. C'est pas gênant en soi. Ah oui, lui, il marche avec du soufre. Ok. Mais bon, ça, on le fera après. Et lui, c'est celui qui fait le... Ouais, donc faut que je dépasse déjà le soufre. Ça, je le laisse pour l'instant. Puisque ça alimente celle-là. Même si du coup... Ah oui, mais celui-là, je le fais marcher à la main. Ah oui, parce que j'ai pas de gaz de... Ah, elle marchait à la main, celle-là. Et il est vide. Ah oui, il est vide. Ok. Bon, on va le relancer un petit peu, alors. Faut juste que je lui remette une plaque d'acier et poup, 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 poup. Pchouf, pchouf. Il est 19h22, on va pas aller très loin. Donc on va aller, il me faut des rails. 18, je vais pas en avoir assez. Hop. Ça marche un peu mieux les rails depuis que... Ouais, alors là, pareil, on pourrait avoir un signal intermédiaire, là. Ça pourrait être utile. Quand il y en a un qui est bloqué là-haut, qui bloque pas tout le truc, quoi. Ici, ah oui, ici. Où est ma voiture? Ouf, on a failli mourir. On a failli mourir. Salut le Boone. The Boone. Le Boone, le seul et l'unique. Certaines mauvaises langues diraient. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Pouf pouf. Donc là on se fait quoi? Soufre. Heureusement que je l'ai marqué. Vache. Pourtant je mange souvent du poisson. Hop, allez, on se fait deux signaux, une gare, j'en ai une. Hop, hop. Donc c'est usine souffre-douleur avec une majuscule, un S capital. Et donc derrière un petit soufre, voilà, hop. Nos petits signaux,
Non mais alors. Et alors. Bah ça va être la même structure qu'ici, hein. En trois robots, c'est pas forcément hyper optimisé, mais bon. Et dedans, là, il faut que je fasse rentrer du gaz de pétrole et de l'eau. Alors, le gaz de pétrole, tu vas gêner, toi. Le gaz de pétrole, il va venir d'ici. Une pompe. J'en ai une. Faut toujours avoir une pompe sur soi. On peut même en avoir deux. On met un petit réservoir. Là, j'en ai plein. Toc. Et il va nous falloir de toute façon masse de tuyau. Parce qu'il faut que je ramène de l'eau. Et là on dit qu'on veut du soufre. Ah brun. Non c'est bon. On a le gaz de pétrole ici. Ouais, et l'eau à côté. Alors l'eau... C'est pas compliqué. Il y en a là. Et là, vous allez dire... Ouh, il est futé, le Z. Très. Top. On peut le faire de combien? Non. Bon, on le ressort ici. On le fait rentrer ici. On le ressort. Faut qu'il aille ici. On le ressort là. Donc ah il me refaut un passage en dessous. Ah, ça va être juste. Ah bah non, j'en avais. Ah mais que je suis bête. Donc on passe en dessous, on ressort allez au max. On refait des tuyaux. Il y en a plus. Et hop, voilà, on a tout alimenté. Et l'eau c'est déjà plein. Alors, on va se faire... Ah, on a plus assez. Qu'est-ce qui manque? De la plaque d'acier. Oh, sérieux. Ça c'est parce que j'ai... Oh, j'ai tout donné à... ouais, la plaque d'acier, c'est ici. Au passage, il va falloir que je me fasse un train. Donc il va me manquer 20 éléments de moteur. Alors, les éléments de moteur. C'est par où? Hop, on va peut-être pouvoir réarrêter l'usine.
le train qui arrête, qui fait les éléments de moteur. On va pouvoir l'arrêter. Qu'est-ce que je voulais de la plaque d'acier? Et donc je me fais une loco, deux wagons et un wagon citerne. On va essayer de finir cette usine là avant de partir au petit cube. Pourquoi elle avance plus? Non. Mais vous êtes malades, les gars. Vous êtes des vrais malades, hein. Le gars, il s'arrête sur la voie. Il veut mourir. Où je suis parti, moi, au fait? Ah ouais, je voulais faire un potal comme ça. Puis peut-être après quelques petits poteaux. Alors, un grand potal comme ça. On va s'arrêter pas plus loin que là, parce qu'après derrière on sera sur une autre voie, donc voilà. Ici. Alors, notre locomotive. Ouais, tu vas en avoir du carburant, pleure pas. Pleure pas. Un wagon. Un autre wagon. Un wagon citerne. On programme ça. Il faut qu'elle aille se charger en charbon. C'est là où ça bouchonne le plus d'ailleurs, hein, à cet endroit-là. Temps écoulé, 15 secondes. Ensuite, tu vas me chercher du gaz de pétrole. Quantité de liquide, fluide, gaz de pétrole, supérieur ou égal, combien il en faut? Si on veut faire 50 soufre, il en faut 30 pour faire 2. Donc c'est 30 fois 25. Ça fait 750. Ensuite, on revient à l'usine. Soufre. Et on veut un nombre d'objets, c'est-à-dire du soufre, supérieur ou égal à 50. Et ensuite, on va aller décharger le soufre. Alors ça, c'est une... C'est où? C'est une bonne question. Ce type est un voyou! Il ne respecte rien! Pourquoi la morfler, elle? Elle a même pas servi.
Il y a un type qui s'amuse à rentrer dedans avec sa bagnole, peut-être. C'est le roi du rodéo, le gars. On va les laisser là. Hop. Sinon, après, on consomme trop d'énergie. Alors. Il y en a encore un qui est en attente de mur. On a un vrai problème avec les murs. Hein. 31. Ah, il en faudrait 40. Alors, le soufre, il est là. Le déchargement du soufre, on va le faire ici. Alors, par contre, on est d'accord que... on s'en fout du côté où il va. Oui, parce qu'il est trié après ici. Ouais, on s'en moque. Par contre, on n'était pas obligé de mettre un truc d'acier puisque, en fait, il le garde pas. C'est juste un buffer. Moi, j'ai pas fait du chargement. Là, ça risque. Du soufre, on n'en a pas besoin de tant que ça. C'était peut-être pas forcément l'urgence à faire, le soufre. Ouais. Bon, c'est pas grave. Livraison de fioles noires. On a un petit peu de mal, hein. Je pense que on doit être juste en fioles noires. Quoique, est-ce que ça utilise la fiole noire? Non, ça n'utilise pas la fiole noire. Donc je pense que c'est la violette. La violette, c'est terrible. C'est celle-là qu'on appelle déchargement, mais c'est les fioles en fait, hein, qu'on décharge ici. Je sais plus si c'est la rouge ou la verte qu'on produit. Et on doit faire de la noire, de la bleue, de la violette. La whisky on fait pas encore. Oui, ah ouais, c'est pas bleu, c'est curacao. Et je ne sais pas si remarque ce qu'on produit là. Là c'est la rouge. Là c'est la bleue. À chaque fois je sors. Donc on va rajouter rouge. Et la verte, elle doit être faite, elle doit être faite sur place. Alors, il est fait mon violet. Hop. Et on dit tu souffres. Tu souffres.
Ok, ok. On va aller voir la recherche. Oula. Ouais, elle marche pas. Pourquoi elle marche pas? Ouais, parce qu'il y a... Il n'y a pas de violette. Il n'y a pas de violette dans le circuit. Ok, ok. C'est à cause de la violette. Ouais, la verte, elle est produite ici. Avec mes trains qui sont tout le temps arrêtés, de toute façon... La violette, elle est faite là. Ah, c'est dur à faire, ouais. Faut des fours, faut du module de productivité. Là où il pêche, c'est le rail. Faudrait que je lui mette un module de vitesse. Ah bah j'en ai un. Puis un module de productivité. Bah j'en ai un. Après j'ai des modules de vitesse. Je peux faire des modules de vitesse 2 aussi hein. C'est dur à faire ça. Là, il faut des processeurs rouges, des processeurs bleus et des modules de vitesse. Ah, il faut 4 modules de vitesse pour faire un module de vitesse 2. Ah, j'espère que ça booste le truc, hein. Vitesse de et vitesse de fabrication plus 30%. Ah les cochons de l'espace, hein. Bon là il n'y a plus de rail, elle s'est arrêtée. Il y a une petite réserve qui a été faite. Ok. Donc elle va plus vite, mais il faut produire du rail. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pêche, hein. Voilà, c'est tous les trains, tous les wagons qui viennent se charger en... Tous les locaux qui viennent se charger en charbon. À chaque fois, il reste 15 secondes. Je sais pas comment je pourrais faire ça pour que ça soit pas... Faudrait que ça soit fait ailleurs. Peut-être systématiquement à chaque... Ouais, mais non, faudrait pas que ça se charge de trop aussi. On n'est plus bloqué en charbon. On va arrêter le live là. Je vais aller vérifier que ça se passe bien au niveau charbon. Bon, les mines elles sont. Là il n'y a plus rien. Ouais, c'est pas mal hein. Alors au niveau mine de cuivre. Ah ben il y en a une qui est quick. Les autres sont pleines. Niveau pierre. Ah bah ouais, tu parles que ça marche plus, on en a plus. Bon, prochain coup, il va falloir aller chercher un...
va falloir aller chercher un autre gisement de pierre. Cuivre. Oh vache, c'est loin. Y'en a pas un plus près? Cuivre. Il est loin aussi. Ça serait bien dans le coin de là où il y a déjà le train qui passe. Hmm. Mais non. Tout est super loin. Bon bah je pense qu'on va aller exploiter celui-là. Ouais mais le charbon c'est pas un problème, Filbert. C'est pas un problème le charbon. Bon. Je vais la replacer, mais ça veut dire que le prochain coup. Ah bah celle-là elle vient de s'arrêter aussi. Ah bah non, elles étaient. Il y en avait deux d'arrêter. Enfin, ça a pas d'importance en fait, hein. Oui, parce qu'après tout terrain, ouais, je m'embête un peu pour rien. C'est pas grave. Et au niveau du fer, il y en a une qui a arrêté ici. Les autres turbines. Ok. Bon bah c'est tout bon. Ça est tout bon. La précision, hein. On pourra venir exploiter celui-là après. On n'avait pas bufferisé. Si, c'est bufferisé. J'avais bloqué les coffres en bois. Ouais.
Ouais. Bon, bah, impeccable. Allez, on rentre à la maison. Et on va y prendre l'apéro. Avec Maud. Et Parsi, bien sûr. Je laisse la voiture côté nord. Ah, il y en a quand même deux qui turbinent. Ah, 3, 4. Ouh, formidable. Et oui, il y a de la. Il y a de la violette qui vient d'arriver. Ouais, 6 qui turbinent. Impeccable. Bon, et bien on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Profitez bien, gros bisous, merci aux modérateurs, merci aux donateurs, merci à vous tous. Je pense qu'on fera. Quand on va démarrer la nouvelle série modée Titanic, je pense que ça elle va basculer le samedi. Et au départ, y a, ça sera peut-être des samedis complets, donc le Factorio repassera dans la semaine. Mais on continue Factorio, hein. Mais il y aura un petit changement de calendrier, on verra. On s'arrangera un petit peu quand même pour que. Pour continuer un petit peu notre petit monde doucement, il y a plein de choses à améliorer. Notre système de départ a atteint ses limites parce qu'on a trop de trains, je pense. Mais bon, on verra bien. Prochain rendez-vous, c'est lundi, 15h. Survie, créate, chouchou. Et puis, je pense que la semaine sera normale. Ah, quoi que samedi prochain. Ouais, point d'interrogation. C'est pas évident. Ça sera probablement. Soit il n'y a pas de live, soit ça sera court. Mais comme j'ai un truc le soir, pop pop. Allez, des gros bisous à vous. Au revoir à des.